Allez, alors sur le chat, on dit allez HSN 3-0 vite fait. Je ne sais pas si Freezer est d'accord avec ça. Je ne pense pas. Mais c'est possible, c'est tout à fait possible. Non, pour moi, il n'y aura pas de 3-0. Déjà tout à l'heure, quand j'ai vu leur match, je savais d'avance que ça allait vraiment être très très serré. Parce que c'est vraiment deux gros joueurs qui jouent vraiment très très bien. Il y en a un qui est plus dans le pressing, l'autre qui est dans un pressing mais avec Bison, donc forcément c'est différent. Donc du coup, les deux ont un style de jeu bien à eux. Tout à l'heure, ils étaient psychologiquement au même état. Ouais, que là, c'est pas pareil. Là, il a eu une défaite, donc là, il va raffronter la personne qui l'a battu. Ouais. En plus, HSN donc, a une vie, donc il peut être quand même assez confiant. Exactement. Parce que même s'il perd, bon, bah voilà, il y a quand même une deuxième chance. Sa gestion de prise de risque, sa notion de prise de risque est très différente. Ouais. Il peut prendre des risques. Il peut prendre des risques, il peut se permettre. Il sait qu'il a un petit matelas, en fait, sur lequel il faut rater. C'est ça. Allez, c'est parti. Voilà, voilà, ta. HSN qui prend, qui domine pour le moment. Par HSN, Cameroun qui veut son titre africain. Le cross-up qui passe. Deuxième année consécutive. Voilà, ah oui, le soleil. Le soleil. Ah là, ça va faire. Oh non, trop loin. Il aurait choisi une simple glissade. Elle entière, ça va passer. Ah, pas de trou derrière. Et encore le saut LK. Glissade, side Kupawa activé. Balayette de trigger. Voilà, pressing. Là, je pense pas qu'il fasse devant derrière. Je sais pas pourquoi, mais. Ah là là, interception. Très bien trouvé en touche MK. De la part du joueur Camerounais qui va rater. Il a raté. Et c'est Freezer s'est trompé sur son combo. Oh là 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 là, ils ont raté. Freezer s'est trompé tous les deux, combo, ils se sont trompés. Il le tuait. Ouais. Il le tuait, il avait le V-trigger activé, une barre d'ex, c'était bon. Les deux joueurs ont fait un petit cafouillage et ça restera l'avantage du joueur Camerounais qui est déjà bien parti sur ce premier match. Freezer qui prend déjà les premiers dégâts. Ouais. Il fait très mal, hein, dictateur. Regarde la barre. Oh là 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 là. On accompagne le joueur en safe jump avec une nouvelle chop derrière. Sup. Oui, ce air-to-air bien trouvé de la part du joueur camerounais. Ça redescend le stun. Oh oui, crush-cutter avec combo petit map derrière. Le V-trigger qui est rempli du côté de camerounais. Il va l'activer. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, chop, pas chop. Attention, mix-up, pas de mix-up. Tap. Et c'est un par HP. Okay. Un par HP de Taron. Trouvé par Freezer qui met les joueurs à égalité et encore une fois on repart sur des égalités infinies. Allez avec le Stomp Head Stomp X suivi d'un débile reverse. Voilà, ça presse. Allez, hein. ça peut se faire punir avec back by MK, ni press, pas safe. Oh, crush-cutter, ça fait mal, crush-cutter. Attention au stun, il est resté devant Freezer, il reste devant, attention, il continue à taper, le stun se vide, il retrouve un petit peu ses esprits, le joueur camerounais, il veut pas perdre son premier match, parce que ça, chaque match pris par Freezer, c'est un pas vers la victoire, un petit pas, mais un pas quand même. Ah oui. Attention, HSN, reste plus beaucoup de vie, bien vu, il va trouver la suite de coups qui va lui donner la super. Voilà. Il est bien HSN, il est bien là, il a trouvé la bonne position et il a forcé l'utilisation du V-reversal, donc il n'y aura pas de V-trigger pour Freezer. Attention, la super sur un simple confirme peut terminer le match pour l'utilisation. Oui, l'utilisation de l'Inferno pour effacer le V-trigger. Et la super, magnifique. HSN qui prend son premier round avec une parfaite utilisation de la super. Très belle utilisation de la super. Mesdames et messieurs, il est content. Fantastique. Il sourit, il est content. Il attendait que ça. Il savait. Erreur monumentale pour Freezer qui a eu une très bonne réaction sur le V-trigger avec son Inferno X. Mais voilà, malheureusement, c'était trop gourmand. 1-0, on s'approche petit à petit de la fin de cette compétition sur Street Fighter V et du couronnement pour la deuxième fois consécutive du joueur camerounais. Oh oui, ça chope le gros point. Eh bien sûr, ça chope, il avance. Là, il est très confiant, là, très confiant HSN, on le voit. Surtout le fait d'avoir pu prendre ce set là, ce premier match. Ouais, ça aide beaucoup. Alors le stun qui est très proche, mais il attend pas. Non, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. HSN, il joue tout seul. il se balade libre comme l'air. On visite la carte, la map. Il est agile comme le vent, son Rachid. Hein, c'est incroyable. Allez, avec une nouvelle shop trouvée, on va amener Dictateur dans le coin. Il est en train de. Ah là, le décalage. Mais il a son V-trigger là. Dictateur a son V-trigger, ça peut vraiment retourner la situation. Ah là, ni press. Il n'a pas activé. Il n'a pas activé. Ah, cette fois-ci, le V-trigger combo garanti. Devant derrière. Combo garanti. Pas d'histoire. Pas de mix-up. Ça tue ici. Mais c'est la grande finale de l'Orange Histoire d'expérience. On tue quand on peut tuer. Allez, avec Bison qui a pris. Enfin, Dictateur qui a pris l'avantage. Dans ce deuxième match, il faut à tout prix qu'il continue sur cette lancée.
Sinon, très voilà. Attention, il a ça super là. Super, le corner game complètement violent. Il va mixer, il va faire des pressing. Trouver la déchoppe et encore le crush scooter encore. La course derrière et le combo. Combo max. Très bon réflexe hein, sur ça. Hein. HSN, il les rate pas. Oh, courage de light justement. Parce que c'est un pressing mytho en fait, hein, le fameux light. Activation V-trigger simultanée des deux. Interception, oui, il a réussi à trouver l'ouverture. Ça manque de pif un petit peu quand même. Ouais, mais tu dois piffer dans quel sens en fait. Oh là là, regardez les dégâts, regardez les dégâts, c'est complètement ouf. Rachid qui a encore un V-trigger, qui a encore son V-trigger et qui a sa super. Oh là là, double touche. Double touche et c'est terminé. Un partout cette fois-ci, c'est le Marocain qui réussira à s'imposer et qui va casser l'élan justement du joueur camerounais. Je vous rappelle que Freezer doit remporter 2-7 s'il veut être couronné cette fois-ci champion. Tandis que HSN n'a qu'à gagner 2 matchs encore. C'est faisable pour le joueur camerounais. Il ne faut pas qu'il se laisse emporter dans sa fougue, dans la fougue de sa jeunesse face au très solide Freezer. L'empereur des ténèbres, le conquérant galactique Freezer qui avance petit à petit pour reprendre sa domination. Ça envoie, bien trouvé ce counter hit. Il attaque. Ça cherche le crush counter. Il n'a peur de rien, le joueur marocain. Il frappe, il avance encore vers sa victoire petit à petit. Stun. Utilisation, voilà le V-trigger. Avec inversion de position. Ah là, mais ça arrive pas lui de récupérer la barre de stun, mais toujours d'être en difficulté dans une position en corner. C'est une finale, cette grande finale tient absolument toutes ses promesses avec l'Inferno. Et oui, Lucrèce s'en confirme. Oh là 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 là. Mesdames et messieurs, regardez ce que nous avons là, ce spectacle complètement fou. Les joueurs vraiment à la hauteur des promesses avec un confirmant X pour utiliser des dégâts. Le V-Spear pour se sauver. Ah, attention. Cross-up qui passe mais qui n'est pas confirmé par un combo, qui confirme par une chop. Et ah, oui. Il ne se laisse pas faire. Sur les antières, il est complètement carré, opérationnel. Ouais. Oh là là, mais oui. Et la chop, porte du stun. Le stun qui est bientôt là, attention. Hop. Et c'est trouvé encore. Hop. Alors, attention. Ah, le V-Trigger est là. Le V-Trigger est là, hein. Malgré le 0 de vital, il y a un petit V-Trigger. Youhou! Ah, petite activation. Non, il n'utilisera pas. Activation V-Trigger. Sur la glissade. Oh oui. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Oh, oh oui! Magnifique jump and cut okay. Pour intercepter le Devil Reverse. Très bien trouvé. Très joli de la part d'HSN. Et là, c'est bon. Égalité parfaite entre les deux joueurs. Encore une fois, un match partout, un round partout. Les deux joueurs sont d'un niveau très similaire. Par contre, HSN a bien ses ressources là. Là, ça peut. Ouais. Il a quand même un bel avantage d'avoir sa barre de super remplie par rapport à Bison. Voilà. Les pressings infinis. Au sol, décalage. Il déchoppe pas un dictateur. Oh oui. Il reste très solide. Oh, il continue à taper. Il va prendre un crush counter. Et là, il est dans le coin. Il est dans une mauvaise situation avec la barre de super qui est remplie à nouveau. Voilà. C'est compliqué pour le joueur marocain. Il se confirme sur le saut MP. Le crush counter. Et ça va, oh là là, crush counter qui a un piston. Qui n'a pas été confirmé. Il n'a pas utilisé son V-trigger. Encore, et là, c'était confirmé. Pas d'utilisation de la super. Qu'est-ce qu'il a fait? Je sais pas. V-trigger. Il va gratter à la super. Il va gratter. Oh là là, mais oui, mais c'est bien joué. Magnifique ce devant derrière. Et HSN arrive à 2 à 1, plus qu'un seul match pour le titre africain. Mesdames et messieurs, le Cameroun est en force aujourd'hui. Ah là 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 là, Freezer en difficulté. Freezer n'a plus le droit de perdre. C'est terminé, il n'a plus le droit à l'erreur. Une seule erreur et c'est la fin pour lui. Oh là 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 là, mais quelle finale, mesdames et messieurs, quelle finale de folie, mais c'est complètement fou. HSN, toujours là, toujours solide, hein. Incroyable. Allez, c'est reparti. 2-1 pour le Cameroun, face au Maroc, dans cette finale du Orange Esport Experience 2018. Et j'espère que vous êtes tous là à apprécier le spectacle, à apprécier cette confrontation historique. Oh là là, punish avec la petite tornade, enfin une petite spirale. Ça a bien trouvé. Allez, là, c'est pas puni. Et c'est une chop pour inverser les positions. Dictateur, il cherche encore. Ah là, attention. Il ne peut plus perdre. Il le sait. Punition du Vire vers Souls. Vire vers Souls, c'est très bien. Ce reset. Peut-être qu'il s'est raté dans sa manip. Peut-être. Parce que c'est la charge arrière avant normalement. Ah là 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 là, c'est compliqué, cette erreur de manipulation, elle va peut-être lui coûter le round et peut-être même lui coûter le match. Et il n'a plus le droit à l'erreur, le joueur marocain, encore une nouvelle chop. Qu'est-ce qui va se passer? C'était un devant.
Mesdames et messieurs, balle de match pour le Cameroun. Freezer en difficulté, Freezer dos au mur. Si vous voulez faire du bruit, faites-le pour Freezer, pour qu'il puisse revenir et nous offrir encore une finale qui ne s'en finira pas. Ça va être chaud. Il est là, il est parti, il est bien parti, le joueur camerounais qui veut finir, il va en finir, il veut gagner, il est fatigué. Deux jours de compétition, c'est trop. Attention, Freezer qui n'a pas dit son dernier mot et la barre de super qui est remplie. Cette barre de super, on l'a vu comment elle a pu être décisive à chaque fois. Attention, 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 Boulex justement pour créer du jeu, le crunch shooter qui est trouvé pour Dictateur. Attention, voilà, il a trouvé le reset avec le light. Pas de confirme derrière. Oh là là, 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 oh, mais oui, mais c'est incroyable ces anti-air. Il le fait très bien, bien vu, il a empêché d'inverser les positions. Là, il a inversé, et là, super. Et là, carrément, oh là là, les dégâts. Les dégâts, attention, attention, et c'est trouvé. Ça ne tuera pas, c'est trop loin, Voilà, activation du V-Trigger. Là, ça va être décisif, Oh oui, il s'est téléporté dans le recovery du coup, et il a mis un light. Freezer qui sauve sa balle de match. Oh là 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 là, ce n'est pas terminé, mesdames et messieurs. C'est toujours balle de match pour HSN, et toujours le Cameroun en lice pour remporter ce grand tournoi. Alors là, Chabia, il est dans le corner, Dictateur, il et comprend ça va être rien. Le stun. Le stun est rempli, ça risque d'être un round rapide, peut-être sur le dernier round de cette compétition. Non, le stun, qui a activé le V-Trigger, attention, attention, backdash, attention. Oh là là, il a trouvé la version devant derrière. Le pressing de Dictateur en V. Oh, il a réussi enfin à contrer l'anti-air avec son head stomp. Oh là là, ça ne passera pas cette fois-ci. Il l'a trouvé HSN, il l'a trouvé avec la super, on confirme, non. Ça ne passera pas, attention. Activation du V-Trigger, mais non, ils sont fait écraser. Attention HSN, tu n'as pas encore gagné. Attention, ça peut gratter, ça peut gratter. Est-ce qu'il va backdash? Il a puni. Zéro de vitale. L'Overhead qui va passer. Le seul et unique Overhead qu'aura fait HSN de tout le tournoi. Et il est passé. De l'emporter, HSN champion d'Afrique 2018, mesdames et messieurs, sur cette finale. Oh là là, mais c'était complètement fou. C'était dingue. Cette fois-ci, Freezer avait réussi à punir la même situation que tout à l'heure. Exactement. Mais ça n'aura pas suffi, zéro de vitale. HSN, champion d'Afrique, le jeune joueur camerounais, le génie, l'a emporté encore une fois. Tonnerre d'applaudissements pour ce prodige, mesdames et messieurs. HSN invaincu, HSN l'invincible, le seigneur d'Afrique. Incroyable. Et bien entendu, un tonnerre d'applaudissements pour Freezer qui n'a pas démérité, qui a offert une prestation digne de ce nom. Il confirme sa position de deuxième de challenger, mais malheureusement, ça ne sera pas la première place. Et vous savez que tout le monde se bat pour cette première place. Oh là là, je n'ai plus de souffle, plus de mots, c'était complètement fou. C'était dingue. Oh là 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 là. Amazing. Oh, j'en peux plus. Oh là 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 là, HSN avec son Rachid qui l'emporte encore une fois. Incroyable Rachid. On aura vécu quelque chose de fou jusqu'au bout de tendu. C'était magnifique, franchement c'était magnifique. Ce tournoi était magnifique, cette confrontation entre les joueurs d'Afrique était magnifique et cette réunion de la grande famille africaine était vraiment, vraiment magnifique. Vraiment, je ne saurais que trop remercier Orange merci, et tous les organisateurs pour avoir permis ce rêve. Un grand merci bien entendu à vous qui êtes sur le stream chez vous, à vous qui êtes sur la scène, avec le public, avec nous aujourd'hui et qui ont fait du bruit, mille ambiances. Et bien entendu, un grand merci aux joueurs pour leur prestation. HSN, tu es le champion, tu le mérites. Porte ce titre fièrement et porte-le jusqu'encore plus loin en espérant te voir encore aller plus loin jusqu'à l'international. Continue, tu as un talent. Tu as un talent et j'espère te voir encore plus loin. Vraiment, félicitations. On va le voir partout, je pense. 2019, ça va être son année. Camerounais, soyez fiers. Vous avez un génie. Africains, soyez fiers. Car nous avons un champion. Car c'est notre champion d'Afrique 2018. Et nous pouvons le porter avec fierté. Un grand merci à tous. C'était Frionel pour l'Orange Esport Experience 2018. Et j'espère que vous avez passé un excellent moment. Je vais rendre l'antenne. Chloé, est-ce que tu as un dernier mot à dire? Eh bien, écoute, je suis vraiment époustouflée. Je suis super contente que HSN, mon petit favori, maintenant je peux l'avouer que j'avoue, c'était mon favori. Donc oui, je suis vraiment contente qu'il ait gagné et j'espère vraiment qu'on va le voir l'année 2019, qu'on va le voir en tournoi partout, en France, en Amérique, au Japon. Ça serait vraiment exceptionnel et je suis sûre qu'il ira très 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 loin. Et j'espère aussi qu'on verra encore les autres joueurs, qu'on les reverra dans d'autres tournois.
et pourquoi pas encore une autre finale Freezer HSM. Mais pourquoi pas. En tout cas, on a suffisamment de potentiel pour voir ces joueurs. Mais n'oubliez pas aussi, on a eu Bountikila qui a très bien défendu sa troisième place. Ouais. On a eu Omzahar de Tunisie. Le Zangief incroyable. On a eu vraiment du bon Beaucoup de joueurs. De la part des joueurs africains. Et vraiment, merci. Donc voilà, sur ces mots, moi je vais rendre l'antenne. Attention, ne quittez pas encore le stream, car ce n'est pas terminé.